L'amoureux de Paris, qui venant de la rive droite de la Seine, s'engage sur le pont des Arts pour déboucher devant la coupole de l'Institut, éprouve, quelle que soit la force de l'habitude, le sentiment revigorant d'accéder au quartier de la capitale où, par excellence, et depuis le plus haut Moyen-Âge, s'est manifestée la pensée créatrice. N'est-ce pas là, entre Sorbonne et Collège de France, que le génie de notre pays a donné le plus de germes? Sensible certainement à cette atmosphère d'études, de recherche du savoir, c'est rue Monsieur le Prince, dans cette enceinte du quartier latin, qu'en 1930, un jeune réfugié arménien, Arad Samuelian, a fondé la librairie orientale, qui, grâce à son dynamisme et à son immense érudition, est vite devenue, et continue à être, le lieu de rencontre des savants, professeurs et étudiants orientalistes. De Clermont Radian, oui. Alors. Mais il y a aussi l'ouvrage aussi sur la poésie arménienne, oui. De Vaïgodel, oui. Qui vient de paraître. Qui est récent. Oui. Voilà. On va les préparer, comme oui, ça oui, on oui. pourra le leur signaler. Il y a aussi Grégoire de Arad Samuelian est décédé en 1977. Oui. Mais ses enfants, voilà. Alice Aslanian et Armel Samuelian, ont courageusement repris le flambeau. Les barbelés. Très bien, voilà. Né à Marache, en Cilicie, en 1891, Arad Samuelian devient orphelin à 4 ans. Il fréquente l'école primaire locale, puis se rend d'abord à Cis et ensuite à Tarsus, où on le voit ici avec sa sœur. Il a 18 ans. Il poursuit ses études supérieures à Tarsus, au St. Paul's Institute, puis fait son droit à Constantinople. Officier de réserve dans l'armée turque, il est envoyé sur le front de Palestine en 1915. Fait prisonnier, il passe dans l'armée anglaise. Il n'est pas le seul combattant arménien à se tourner ainsi vers l'Occident. Après la guerre, il vient en France terminer ses études. Mon père est arrivé en France en 1919 pour faire un doctorat de droit. Avec l'idée de partir ensuite en Arménie. C'était la période de l'indépendance de l'Arménie. Et malheureusement, l'histoire n'a pas permis que ce vœu se réalise. Donc, lorsque ses études ont été terminées, il est resté à Paris. Il s'y est marié. Ensuite, il a fallu donc qu'il trouve une situation pour sa famille. Et il a, je pense, tout naturellement pensé à une librairie, parce que je pense qu'il avait passé une grande partie de sa vie dans les bibliothèques. N'a-t-il pas été également journaliste? Alors, il a été correspondant à Paris d'un certain nombre de journaux arméniens qui paraissaient aux États-Unis, à Boston, par exemple, Hygienic. Également les journaux qui paraissaient au Liban, à Beyrouth. Et d'une manière générale, il a, dès le début, collaboré au grand quotidien arménien de France et d'Europe, qui est le journal Aratch. Rue d'Hauteville, vers l'église Saint-Vincent de Paul, des immeubles à l'aspect un peu sévère. Là se trouve le siège du quotidien Aratch. Sous le portrait de son fondateur, Georges Missakian, aujourd'hui disparu, sa fille, Harpis, continue à présider aux destinées du journal. Vous savez, c'est en 1925, donc le 1er août, que mon père, Georges Missakian, a fondé le quotidien de langue arménienne Aratch, qui, dans la première année, paraissait 3 fois par semaine, mais qui est tout de suite devenu un quotidien devant l'exigence même de la communauté arménienne. C'était une communauté qui venait d'arriver, une communauté immigrée,
qui avait besoin de ne pas se sentir complètement abandonné. C'est pourquoi le journal a été un peu un phare pour que tous ces exilés qui arrivaient et qui étaient complètement perdus dans un pays dont ils ne connaissaient pas la langue. Le premier collaborateur de mon père a été M. Hans Samoyan dès 1925, donc dès les premiers jours, et par ses écrits. À ce moment-là, il n'assurait pas encore les éditoriaux, mais il était là, ce qu'on appelle aussi, il faisait la cuisine du journal, il faisait les articles, étant donné que, ça je peux vous le prouver aussi après, c'est que M. Hans Samoyan a été pendant toute sa vie, et notamment pour le journal Arat, une sorte d'encyclopédie vivante. M. Samoyan était un permanent avec mon père, c'était son bras droit, jusqu'au moment où il a créé sa librairie. À ce moment-là, il n'était plus dans la rédaction d'une manière permanente, mais il n'a jamais coupé ses liens avec le journal. Il assurait les éditoriaux quand mon père s'absentait, soit par des voyages, soit pour de courtes vacances. Et à la mort de mon père en 1957, et jusqu'à sa propre mort en 1977, il a fidèlement assuré les éditoriaux du quotidien Arat. Le dernier éditorial du reste date du 24 avril, c'est presque une coïncidence. Il est mort le 7 juin 1977. Dans sa lutte pour la cause arménienne, Hans Samoyan s'est lié d'amitié avec plus d'un homme politique français. Parmi eux, Édouard de Preux, vieux militant socialiste, fondateur du PSU. Il a en particulier collaboré dans les années 1928 à une revue qui paraissait à Paris qui s'appelait Le Foyer. Et là, il a commencé une étude importante sur les Arméniens en France depuis les origines. Il a longtemps travaillé dans les archives de la Chambre de commerce de Marseille. Alors, il y a beaucoup d'articles de lui un peu éparpillés dans différentes publications qui maintenant sont malheureusement épuisées. C'était un homme qui avait une culture et une mémoire extraordinaire, et c'était un homme de référence. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 10 ans après sa mort, quand j'ai besoin d'une référence sur la cause arménienne, sur tout ce qui est historique sur le plan arménien, je suis obligé de chercher ses éditoriaux où je trouve toujours tout ce qui concerne l'histoire arménienne, qu'elle soit culturelle, que ce soit l'histoire pure, que ce soit la cause arménienne, que ce soit même l'Église, etc., etc. Hans Samoyan ne s'est jamais décidé à publier un ouvrage. Il existe en revanche un recueil de ses éditoriaux. Mais comment ce jeune réfugié arménien, arrivé à Paris en 1919, en étudiant sans ressources, a-t-il pu, 11 ans plus tard, fonder une librairie qui allait devenir rapidement une sorte de caverne d'Ali Baba du livre? Au début, il y avait un fonds arménien très important qu'il avait racheté à un libraire arménien de Constantinople. C'était M. Balintz qui avait pu rapatrier une grande partie de sa librairie à Paris et qui, à l'époque, était âgé et qui avait ses ouvrages, je crois, dans des dépôts. Alors, il a eu un fonds important qui provenait donc de cette librairie. Et en même temps, il a commencé à s'intéresser à l'orientalisme en essayant de retrouver des livres anciens, des livres épuisés sur l'Orient, le Proche-Orient. Il s'est spécialisé très rapidement. Au début, je pense qu'il y avait une partie importante. D'abord de la librairie consacrée aux livres en langue arménienne, mais les années passant, les lecteurs en langue arménienne ayant beaucoup diminué, il a dû évidemment élargir son créneau. Alors on a toujours beaucoup de livres en langue arménienne et sur l'Arménie évidemment, mais à côté de ça, nous avons une ouverture très large sur
l'Orient et l'Extrême-Orient. Et comment s'est-il créé sa clientèle alors ? Alors, je pense qu'il s'est créé cette clientèle beaucoup, je pense, par sa personnalité, parce que c'était un homme d'une très grande culture, humaniste, enfin, grande culture arménienne, mais disons d'une grande culture universelle. Il connaissait beaucoup de langues, et notamment des langues orientales, telles que donc, le turc osmanli. Le persan. Il a pu après donc aussi s'initier et lire l'arabe. Et en plus, il avait une mémoire exceptionnelle. Et je pense que petit à petit, s'est créé autour de lui un noyau de professeurs qui ensuite ont dû envoyer leurs étudiants et puis également des amateurs aussi de livres ou des collectionneurs de livres anciens, de livres de voyage. À sa disparition, vous avez dû prendre sa suite. Cela a dû être très dur pour vous. Oui, c'était enfin, difficile à tous les points de vue. Mais mon frère et moi, nous avions travaillé déjà avec mon père pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc nous avons quand même eu l'expérience. Enfin, nous avons bénéficié de son expérience, évidemment sans avoir... la connaissance approfondie qu'il avait de ces langues de l'Orient. Oui, oui, je vois ce que c'est. This is, yes, the mosquée. Oui, il y a beaucoup de drouilles. Calligraphie. This is from... C'est bon. Oui, non, mais je vois qui c'est. Arabic style in Paris. Pour moi, ça leur merci. Architecture et décor arabe à Paris. Parmi les habitués de la librairie orientale, Gérard Dédéian, maître assistant à l'université de Montpellier. Gérard Dédéian, plus qu'en professeur à la recherche d'œuvres qui l'intéressent, d'ouvrages qui l'intéressent, venez ici en ami. Bien sûr, je viens à la librairie orientale Saint-Mélian à peu près depuis que j'étais à l'école normale supérieure, au temps très lointain où j'étais à l'école normale supérieure, c'est-à-dire depuis 1962. Donc j'ai une longue familiarité avec cette maison. J'ai bien connu M. Samuelian, qui était une mine de science. Et très souvent, enfin, au lieu de feuilleter des livres, je me rappelle que je bavardais avec lui. Il vous conseillait ? Absolument. Oui, oui, il connaissait bien le problème de la cilicie, d'ailleurs, auquel je m'intéressais dès cette époque. Il connaissait également d'autres problèmes auxquels j'étais sensible, c'est-à-dire la vie contemporaine des Arméniens et les phases de leur installation en France après 1922. Donc nous dissertions sur tous ces sujets, sur la vie de la communauté arménienne, puisque vraiment ici c'est toujours un centre pour les intellectuels arméniens et pour beaucoup d'autres. Et donc c'est un endroit où je me ressourçais et où je viens toujours de Montpellier me ressourcer quand je le peux. Est-ce que vous lisiez également ces articles ? À cette époque, je ne lisais pas encore l'arménien, j'étais en train de l'apprendre, et donc je n'ai pu m'y mettre qu'après mon diplôme d'arménien aux langues orientales avec le professeur Fedi, donc quelques années après. Bonjour monsieur, sans être grand psychologue, on devine que vous êtes un fidèle client de la librairie orientale. Alors comment devient-on fidèle client ici ? C'est généralement par son champ de spécialisation, on découvre généralement quand on est... jeune étudiant, cette espèce de caverne d'Ali Baba où on trouve à peu près tout ce que l'on souhaite, avec parfois une longue patience quand même. Qu'est-ce que vous étudiez, vous, personnellement ? Moi, je suis spécialiste du monde arabe depuis le XVIIIe siècle. Et ce que je trouve ici, d'une part, la littérature courante disponible sur le marché, mais surtout des livres anciens qui sont absolument indisponibles et que souvent, grâce au Saint-Emilion, on arrive à se procurer. Vous les commandez, en somme ? On laisse des titres et puis un jour ou l'autre, par on ne sait quel mystère, ils arrivent ici. Depuis combien de temps venez-vous ici ? Je dirais à peu près une quinzaine d'années. Témoignage d'Henri Laurence, professeur à l'école pratique des hautes études, qui a notamment dirigé les travaux de l'ouvrage collectif Bonaparte et l'Islam, publié chez Armand Collin. Rad Samuelian
avait ses habitués, il avait aussi ses intimes. Deux d'entre eux se souviennent, les professeurs Jean Gouillard et Fédi, qui a longtemps enseigné l'arménien au Langzo. Comment ai-je fait connaissance de Savoilian? C'est bien simple, jeune étudiant, je suis entré dans son magasin. Il avait une librairie. Il avait une librairie. Lorsque l'on entrait dans cette librairie, on avait l'impression qu'il y avait dedans des trésors entassés et on se demandait si réellement il régnait de l'ordre. Il faut croire que oui, parce que quand on demandait un livre à Samuelian, on le trouvait tout de suite. Je fréquente la librairie Samuelian, je pense, depuis 1950 environ. C'est là que j'ai découvert d'emblée M. Samuelian, parce qu'il y était présent tous les jours, plus présent qu'il ne pouvait l'être dans les derniers mois de sa vie quand sa maladie s'est aggravée. Et c'est là que peu à peu, comme client d'abord au titre de la Sorbonne et ensuite en titre propre, j'ai appris à apprécier cet homme qui était un personnage absolument étonnant. Ça n'était pas seulement un libraire, le reste je l'ai découvert ensuite, mais enfin la première impression était celle évidemment d'entrer dans un Capharnaüm extraordinaire, d'ailleurs il l'est resté, et au fond de ce Capharnaüm, un personnage assez trapu, écrasé sur ses papiers, paraissant inattentif à tout ce qui se passait autour. Et dès l'instant qu'il entendait votre voix, lorsqu'il m'a eu connu après quelques visites à sa librairie, dès l'instant, et c'était la même chose pour les autres, qu'il entendait votre voix, il se relevait, son visage s'animait. C'était cet homme à la fois grave et de commerce aimable, comme on trouve encore ces deux qualités associées assez fréquemment en Orient. Il y avait dans la tête de Samuelian un nombre considérable de connaissances. Or, ces connaissances étaient magnifiquement classées. Et il pouvait parler d'un grand nombre de choses avec une précision remarquable. Cet homme avait donc une mémoire extraordinaire et en même temps la possibilité de classer les événements, si bien que c'était un véritable livre d'histoire. Et il n'y avait pas que ça de remarquable chez lui, c'était également un répertoire bibliographique, mais pas une simple bibliographie qui vous indiquait des titres au sujet de n'importe quoi. C'était un répertoire de bibliographie analytique, parce que non seulement il était au courant de tout ce qui avait été écrit sur toutes les questions, mais il savait exactement ce qui avait été écrit. Il ne connaissait pas que les titres, il connaissait le contenu. C'était un puits de science. Il était très armé. D'abord, il avait une expression et une expérience très riche. C'était un homme naturellement doué et qui, comme tous ceux qui ont eu des difficultés et qui ont eu le courage de les surmonter, en général, se développe admirablement. Il avait donc émigré très tôt de sa Cilicie, quand même, paysage austère, montagneux, pour faire ses études à Istanbul. Il avait ensuite émigré en France, donc ces émigrations accumulées ne l'avaient pas du tout détruit, au contraire, donc c'était un homme particulièrement doué qui s'était développé à la faveur de ses vicissitudes. J'ai envoyé de mes élèves chez lui, ou des personnes qui cherchaient à avoir des renseignements bibliographiques sur telle ou telle question, je leur disais, allez chez Samuelian, vous aurez immédiatement toute la bibliographie nécessaire. En dehors de ça, d'ailleurs, c'était un bibliophile. Il avait sa collection, sa bibliothèque personnelle, qui est une bibliothèque qui était extrêmement riche. Ce n'était pas un marchand de livres. C'était un véritable artiste dans la librairie. Un artiste et un homme cultivé, connaissant, même en dehors des questions historiques dont je viens de parler, connaissant merveilleusement la langue. Il savait très bien l'arménien ancien, ce qui n'est pas si fréquent, et l'arménien moderne. Il savait l'arabe, il savait le turc, il avait des notions de persan. Donc une ouverture
extraordinaire. Et cette ouverture donc initiale, il l'exerçait sous la forme d'une curiosité permanente qu'ont constaté tous ceux qui l'ont approché dans sa librairie. Ce qui frappait beaucoup, c'est qu'il ne faisait jamais étalage de sa culture. Il ne faisait aucun étalage. Tout lui paraissait naturel. Et même, je vois, il me donnait quelquefois ses impressions sur des émissions, donc des christianismes orientaux du dimanche. Il le faisait généralement avec beaucoup de tact, admirant sincèrement lorsqu'il croyait devoir admirer, quelquefois avec une toute petite réserve, mais qu'il n'exprimait même pas, n'est-ce pas ? On sentait que telle chose lui avait un peu moins plu, qu'il aurait souhaité autre chose. C'était un homme d'une rare délicatesse. Il avait, en même temps que, je crois, une foncière bonté, un grand sens de la diplomatie, qui est encore également un fait assez fréquent en Orient, puisqu'il avait gardé de l'Orient, enfin, ce qu'il peut nous donner de meilleur. Aussi, cet accueil très hospitalier qui frappait dès qu'on entrait dans sa librairie. Au parti d'Ashnak Tutsiun, Rad Samuelian avait partagé les plus hautes responsabilités avec son ami Tadavorian. Malgré la différence d'âge qui aurait pu vous séparer, Samuelian était pour vous un vrai ami. Oui, je dirais même un grand ami. Un grand ami que j'ai connu en particulier après la guerre. Donc, aussitôt que le monde arménien s'est réveillé après ce cataclysme de 4 ans, et à partir de 46, fin 46, jusqu'à sa mort, nous avons gardé des relations qui sont dues d'une part au fait que nous partagions les mêmes options politiques, que nous étions intéressés par un même sujet qui est donc pour nous la survie du monde arménien dans la diaspora. Je pense que ces connaissances ne se limitaient pas seulement au monde arménien, mais à tout ce monde du Moyen-Orient, je dirais, car ces connaissances étaient très pluralistes dans ce sens que tout ce qui avait touché de près ou de loin le monde arménien, mais avec un monde extérieur qui l'entourait, eh bien là également. Et je crois savoir que le monde arabe, n'est-ce pas, lui était pas étranger et qu'il avait de connaissances très approfondies sur ce plan-là. Il participait à de multiples associations, avec vous d'ailleurs. Effectivement, M. Samuelian a été un membre éminent de la Fédération révolutionnaire arménienne d'Ashnak Tutsiun, et je dirais que son activité au sein de ce parti, n'est-ce pas, a donné un relief particulier du fait même de ses connaissances, du fait même de sa culture. Il représentait aussi l'Arménie dans l'Internationale socialiste. C'est lui qui a toujours gardé des liens avec les partis socialistes frères, enfin, d'Europe. Et puis ensuite, il a également été le successeur de M. Radissian et Chobanian, président du Conseil des réfugiés arméniens. C'est-à-dire qu'à côté de ses activités de libraire et de journaliste, il avait beaucoup d'activités. Aux avant-postes de son combat politique, au Comité central pour l'Europe ou au Bureau mondial, Rad Samuelian rencontrait couramment d'éminentes personnalités, ici avec le maréchal Bagramian. Avec M. Fanfani au Congrès international socialiste de 1961. Au cours d'une conférence sur la cause arménienne, en présence de Mgr Roncalli, alors nonce apostolique à Paris, devenu le pape Jean XXIII. Il faut aussi dire que Rand Samuel, puisque communément maintenant et pour toute la colonie arménienne c'est Rand Samuel, a été un orateur. Je dirais peut-être un grand conférencier dont on avait besoin lorsque l'on commémorait des fêtes arméniennes dont nous avons toujours conservé le respect, en particulier
la fête du 28 mai 1918, qui était la date de la fondation de la République libre et indépendante arménienne. En 1976, Rad Samuelian fêtait ses 85 ans. La rédaction de Haratch avait réuni pour cet anniversaire parents et amis. Est-ce que Rad Samuelian était un bon père? Comment se comportait-il dans l'intimité? En famille, nous avions souvent affaire à notre père qui écrivait un éditorial ou qui faisait des recherches sur des points qui l'intéressaient. Il n'était pas toujours disponible, évidemment, pour s'occuper de ses enfants. Enfin, quand nous avions besoin de lui, il était toujours là, mais... Vous m'avez dit qu'il aimait beaucoup la musique arménienne notamment, ah, oui, ou bien oui, la oui, grande musique. Oui, la musique arménienne notamment. Il avait d'ailleurs été, comment on appelle ça, diacre. Enfin, il avait chanté la messe étant petit. Il connaissait donc l'ordinaire de la messe arménienne par cœur. Mais à part cela, et le goût qu'il avait pour la musique arménienne, mais quand il était arrivé à Paris en 1919, pendant plusieurs années, il m'a raconté comment il préférait ne sauter un repas pour pouvoir avoir une place au poulailler à l'opéra et donc suivre les saisons. Enfin, c'est ce qu'il a fait pendant de nombreuses années. Doté de dons exceptionnels, véritable encyclopédie vivante de l'Arménie, capable de soutenir jusqu'à la fin de sa vie une activité débordante, Rad Samuelian n'avait jamais été tenté par l'édition. Ses héritiers, eux, ont édité un seul ouvrage, Histoire de l'Arménie, d'Henri Pasdermadjian. Rad Samuelian, lui, avait préféré se consacrer à ses vrais amours, ses librairies, la recherche bibliographique et toujours l'Arménie. C'est un homme que l'on regrette et en plus de ça, tout le monde doit le regretter parce qu'il y a bien peu d'intellectuels arméniens qui est dans la diaspora qui soient capables de combler le vide qu'aura laissé Samuelian, aussi bien comme intellectuel que comme spécialiste de toute la bibliographie concernant non seulement l'Arménie, mais tout l'Orient.